Il s'appelait Geralt de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint un pas à son tour. Thank you.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Geralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Bah, salut à tous et bienvenue. Donc ça y est, j'ai un nouveau PC, ça y est, on va pouvoir jouer à des jeux classe, tout ça. Donc ouais, donc là en ce moment c'est la hype, enfin ça fait un petit moment quand même, c'est la hype The Witcher 3. Donc moi je me suis dit, bah tiens, j'ai jamais joué à 1 et au 2, bah je vais me faire le 1 et le 2. Et là on va commencer le 1, je pense le 1 je vais faire let's play, le 2 je crois que même ce PC là actuel je peux même pas jouer au 2, c'est pour vous dire. Mais bon tant pis, donc bah nouvelle partie, on commence. Donc bah, The Witcher, on va jouer en moyen hein. Alors j'ai joué quelques les premières minutes, histoire de comprendre un peu les commandes. Parce que sinon, si je vous montre ça. T'as par contre 3 FPS là. Oh là là. D'accord, c'est les chargements. Le problème, c'est qu'avec ce nouveau PC, j'ai souvent des crashs. Donc je sais pas comment ça va faire les crashs avec les avec l'enregistrement. C'était pas grave quand je jouais les crashs parce que le jeu se relançait. J'ai certains jeux, ils se relancent pas, donc c'est pas un souci. Mais j'espère qu'Audacity et Fraps, il va pas y avoir de soucis là-dessus. Bon allez, je me tais. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. On dirait la WhatsApp. La peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiées dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Oh là là. Alors, ça fait quoi de te faire enculer par moi? Oulala, oh là là, cette chute d'FPS. Oh là là. Vous
suis-je? T'as quand même, il a une sale gueule hein, dans le 1, Gérald. Bien se passer. J'ignore où tu étais. Oh, j'ai rien dit. Ah, lui, il a vraiment une sale gueule. Tu es en vie, entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenant. Oh là là. Il l'a enculé tellement fort que Gérald, il a besoin de se faire transporter, quoi. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kaer Morhen. Ah, j'ai déjà vu cette cinématique. Hein. Et c'est même Kaer Morhen que dans The Witcher 3 le début. C'est joli. Hein. Bon, chute d'FPS. Hein. Je pense que vous allez en voir souvent. Hein, c'est pour des grosses cinématiques comme ça. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Putain, c'est vraiment joli quoi. Ah, moi. Moi j'adore les châteaux en plus, c'est un beau château en ruine, putain, oh là là. C'est magnifique, hein. Oh là là. Un vrai moustachu. On doit... Un motard des années 70-80. Enfin, Léo, cherche Triss. Ah, on va voir Triss Périgold. Alors oui, le seul truc que je connais de The Witcher, c'est un pote qui m'a vite fait... Ah, attendez. Profitez-en tant que vous le pouvez. Putain, on croirait l'autre là, dans un row. Le méchant avec les montres, même il joue dans Prison Break. Il a la même tête. Hein. Faux, tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse, pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Oulala, là là, cette tenue, mademoiselle. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Mmh. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je commence à apprécier la magie. Pirouette. Mais donc apparemment, Gérald, dans le 1, il perd la mémoire au début. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Ah, il a vu la tenue, lui aussi. Ah, c'est magicienne, mais elle a quand même peur des pigeons. Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah, c'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Les autres. Les seuls. Oh putain, on dirait un troll celui-là du milieu. Oh là là. Il invoque le bug. Les émirs, on a de la visite. Ok, ça commence. Bon, vous inquiétez pas, les FPS vont revenir quand on va vraiment jouer. C'est des grosses cinématiques comme ça, ils ont du mal. Ok, oh putain, il est moche le glaive. Hein. Je suis sûr qu'avec mon couteau à beurre, je continue. Bon, allez, on commence. Alors, il est où ce putain de. Voilà. Oh là, attention. Ils sont pas ultra dynamiques à comparer aux 3. Regardez, il peut enflammer, on tape. On tape.
Voilà. Ça allait plutôt vite, hein. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kaer Morhen. Oh là là, cette tenue! Mais cette tenue, Triss! Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Avant du rêve. Vous verrez le moment venu, Lambert. Ah bah tu, on voit déjà. Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Allez, alors la mode vue 3 personnes, si c'est comment Z pour faire pivoter la caméra dessus, c'est bon. Ok. Ah, s'arrête. Pas maintenant, mais. Maîtrise, mais pourquoi tu me fais ça? Mais que nous arrive-t-il? Bon, allez, j'arrête de faire le pointeur. On y va, là c'est un peu la merde. Alors, c'est bien. Ouais, c'est A pour l'épée de fer déjà. Ok. Et tab pour la rengainer. Et après, t'as les pauses, tout ça. Ok. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu sérieux en plus sur PC. Putain, je suis pas habitué au clavier. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes. Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'utide! Une sale bête. Ah, ça rend dégueulasse. Moi, je vois ça en vrai, je me pisse dessus. Hein. Je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Avec une tête de bite aussi. Hein. On dirait vraiment un gland. Ils arrivent par ici. Tenez-vous prêts. Il en arrive encore d'autres dans la haute cour. L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Ouh là là, il est classe le Renault. Enfin, même s'il n'est pas tellement Renault, mais bon. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Bon, on dirait un mec du club SM avec son chapeau comme ça. Enfin, son masque. Putain, mais tellement il s'en bat les couilles de la vie, il frappe le truc pour le fermer. Il a rien respecté. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Et recherché en tes paires de sang aussi. Marigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux, mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour. Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous, nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Où ça ? Il n'y a pas de souci, poteau. Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Alors, suivez le marqueur sur une carte. Ok. Oh là, il y a eu quelques petits lags. Enchaîner les attaques, ouais, avec le greffe en voyant, ouais. Y'a pas un truc à ramasser ici, non? Bandit de la salamandre. Tour d'entrée. Faites un clic gauche pour l'achever. Clic gauche, ok. Ah, donc les grosses attaques peuvent assommer. Je passe par là. Le mec pensait pas s'il s'est fouillé dans le tonneau. Un petit pignoute, un petit drum. Oh là là. Oh là là. Oh putain, mais comment je l'ai achevé? Petit crash dans mon PC. Ok, il y a eu un petit crash. Ok, c'est bon. Donc vous allez voir un petit truc, c'est un petit crash. Je relance, je frappe. J'espère qu'Audacity, y'a pas de soucis. Hein. Le jour de ta naissance. Boum. Ok, donc pour les recrash, juste à relancer frappe. Je verrai plus tard pour Audacity. Attention.
Boum. Oh là là. Mais le respect est en prison. Ah merde, voilà. Alors tu sais le style. Ah, il y a un style rapide, ok. Donc comment changer? C'est C, voilà. Ok, les styles rapides c'est pour les... des trucs un peu plus légers. Échec, il y a un mode de groupe aussi. Ok, là-bas c'est un combattant lourd, du coup on retourne sur W. Ok. Ah, ça je les ai fait. J'ai testé et je me suis arrêté à l'ouverture de la porte. Oula, mais je rigolais pas, c'est vraiment des pigeons en plus. Regardez. Mais comme ça on peut changer de style en 2 secondes. Ah, c'est pour quand on combat deux ennemis. Moi je vais faire ça en jeu, pas besoin de mettre plus tout le temps. Je préfère courir avec le style de chat. Esquive. Non. Ah là, j'esquive tout moi. Oulala, mais ce torse, Geralt. Oh là là. Merde. Ils sont tombés comme des merdes. Touche ma bite. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. C'est dommage qu'ils aient pas dit les noms de l'autre mage. Ok, ça c'est un style lourd. Par contre, je sais pas comment on part les attaques. Je sais juste qu'on peut sauter. J'essaye de faire des trucs classe là. Bon allez, j'arrête. Je suis juste au top dans le temps en fait. Voilà. Là-bas il y a un tonneau. C'est où c'est là? Non, ce qu'il y a dedans. Ok, donc lui je suppose que c'est un style rapide. Ok. Oh putain, ils ont l'air vraiment cons quand je m'avance tout doucement. Ok. Bon, pour le moment c'est l'intro, du coup je perds pas trop de points de vie. Merde, faut que je finisse tous les combats. Mais j'ai envie de voir ce qu'il y a là-bas. On va voir vite fait. Profite hein, profite. Ah, fils de petit monsieur en plus. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant par là? Non, il n'y a que dalle. Je vois les bandits courir, tout ça. Ok, il n'y a rien. Ah, il m'a suivi hein, ce fils de putain. Oh là là, comment il est tombé? Ah, j'adore ce jeu. Avec de la magie, mais j'ai aucune magie. Okay, on va ramasser le reste là-bas. Parce que sinon je vais l'oublier, je me connais. Ok, c'est de la bouffe. Alors préparez-vous, hein, dans les RPG, je passe ma vie à ramasser des trucs. Hein. Ok, c'est un quoi ça? Ok, il y a deux styles lourds et un tir léger. On va commencer par le léger, comme ça après on est tranquille. On peut attaquer les deux en même temps. Ok, j'ai pu enchaîner là en plus. Ok. Faire halt et ok. Allez, on va ouvrir le treuil.
Ouh là là, putain, mais qu'est-ce que ça fait flipper ce truc, quoi. Putain, déjà, je déteste les insectes, mais alors ça, c'est même plus un insecte, le truc. Il a été stéroïdé. C'est Schwarzy parmi les insectes. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. T'as une voix, mais je m'en bats les couilles, Gérald. Genre... Triste, mon enfant. Il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc... Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leur... Lui, je lui fais confiance, je sais pas pourquoi. Un mec extrophié comme ça, tu peux lui faire que confiance. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous. C'est pas la voix d'Algrid dans les Harry Potter ? Si, c'est la voix d'Algrid ! Ok, donc là c'est ça. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là, on fera la suite plus tard, parce que là c'est surtout un épisode pour tester. Du coup, vous avez reçu tonnerre, vous avez reçu hirondelle. Ok, bah c'est les deux de base. Ok, bon, on va s'arrêter là et on continuera la suite plus tard. Je pense que les autres épisodes dureront une heure ou un truc dur, parce que c'est vraiment un jeu où je fais pas gaffe. Mais là c'est un épisode test, donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine. Allez, bye.